Wesh la team! Ça va, Steve? Est-ce que t'es déjà parti aussi loin, mec? C'est loin, mec. Après 8 heures compliquées, 8 heures d'avion terrorisé, terrorisant, nous sommes arrivés à Montréal. On y est, bitch! On a décidé que le matin on allait consacrer à Darius faire la musique. Moi je vais essayer d'en faire un peu, mais surtout dessiner. C'est l'objectif aussi de ces vacances, c'est de faire au moins un dessin par jour. Ok, là-dessus, on se retrouve, il est midi, 13h. On va aller en ville parce qu'on va aller rencontrer un artiste qui est de base de Saint-Martin-du-Riage. Pour vous dire, Saint-Martin-du-Riage, c'est une petite bourgade à côté de chez moi, de Grenoble. J'ai commencé un peu à faire du dessin, quoi, à faire 2-3 croquis. J'ai pris du matos sur moi. J'ai envie vraiment de dessiner ce que je vois de mes propres yeux parce que je pense que c'est vraiment le truc à travailler, en fait, dans ma pratique. Voilà, on commence de Kassa avant d'avancer. Énervé. Quoi ton nom d'artiste? Là je suis resté à mon prénom et nom, mais cet album là je pense que je commençais à zéro. Je vais m'appeler John Zank ou autre comme ça, qui est juste mon nom un peu plus abrévié. Mais tu bosses sur quoi en ce moment du coup, sur tes tracks là? Mes tracks, qu'est-ce que je peux vous montrer en vrai? Là ça c'est toutes les tracks que j'ai après travaillé pour cet album. Après, je sais pas, il y en a beaucoup que je vais pas utiliser. Ça c'était le premier son que j'avais fait à peu près pour cet album. It's your conscience fucking you up, ain't it obvious? I'ma stop you from staying in bed. It's fucking 4 a.m. but wouldn't you rather stay awake and jerk off instead? Putain, ça fait un petit... Ah mec, toujours, hein. Tu parles trop bien. Vous habitez ici? Comment? C'est vrai qu'il connaissait Robin. Mais moi, pourquoi j'ai... Non, mais on sait jamais. Toi et moi? Ouais, je sais pas. Non, par contre, ça me fait beaucoup rire parce que vous avez tous les mêmes lunettes. Wouche! 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 He's gonna be in Montreal for a... He arrived literally yesterday and he's the first person who contacted me. He's the first person in Montreal that he contacts. And so, yeah, he came to Montreal and he came with this guy who turns out you made the whole Blossom thing with. So it's kind of funny. Bah bien sûr, mec. Bah ouais, c'est un vlog là, hein. Mec, c'est trop magique. Bah ouais, non mais d'où? Quand il m'a dit ça, il m'a dit... Non mais ouais. Mais là c'est bon, on s'est rencontré du coup. Ouais, c'est bon, on s'est rencontré. J'avais une chanson qui m'a vraiment genre... C'était laquelle? Ah oui. Ouais, peut-être. Cimer, gros, la suite arrive. Bah je viendrai chez toi, mec, je viendrai, t'inquiète. Moi je suis un ouf. Hey, nous on vient là, on va venir à LA, hein. On se ramène. On vient à LA tout de suite? Ouais, non, on va venir en stop. Oh, on fait du stop, nous, on fait du stop. Ça doit être un peu comme la charte rose, je pense, hein, non? Vraiment malo? Oui, je peux. Gars, tu viens de Bretagne. Mais j'en ai lu! J'allais dire que tu viens de Bretagne, c'est sûr. Mais tous les malos viennent de Bretagne. Ouais, je trouve ça trop stylé, votre truc de. Mais du coup, j'ai pas chaud. Ouais, je joue la même chose. Juste comme ça, là. Tu vois, t'as plein de clubs à Montréal qui se montent, qui se démontent, qui ferment, qui ouvrent. Un peu comme à Paris, un peu comme à New York. Et il y en a qui ont des histoires vraiment cool. Le Sans Soleil, c'est un espèce de speakeasy. Pareil, l'histoire est vraiment. Attends. Attends. Attends, parce que Sans Soleil, c'est un des morceaux qui figurera dans le premier album de NPS. Son groupe, c'est. Sans Soleil. Ça me parle, je veux d'aller voir récemment. Trop bien, c'est un bar sous un resto japonais. Et c'est que du vinyle. Si je peux recommander un truc, les gars, s'il y a un club dans Montréal où les choses se passent et où les choses sont intéressantes, et le meilleur club de vin de la ville, c'est clairement Sans Soleil, il n'y a pas un seul truc là-dessus. Tu vas faire quoi? Tu vas croquer aussi, toi? Ouais, petit cadavre esquive ou quoi? Vas-y, let's go. Vas-y, let's go. Ah, c'est... ah, j'aime bien le feutre là. Ah non, c'est la craie. C'est de la gouache. C'est de la. Ah, comment ça s'appelle? Pas de la gouache. Ah, mais ouais, c'est toi qui dessinais là-bas? Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Mais bon, faut. Enfin, c'est ah, j'aime bien la couleur. Ouais. Ah, mais c'est. Ah, bien. Mais il y a du taf encore. Celui-là, il est vraiment pas. C'est pas mon préféré. Hein. Allez. Ouais, putain, mais moi, j'arrive. En fait. Bah, vas-y, on essaye de se dessiner chacun. C'est drôle parce que d'habitude je dessine les gens, ils ne savent pas. Là, je me mets tout le temps l'impression quand.
Quand je fais le genre d'exercice, ça me... Valo, il dessine là. Qui a gagné? Je pense que sinon c'est Géraldine. Lui, putain. Ouais, mais il a des plus grands yeux. Putain, mais on dirait par contre que... On dirait que t'as pris son style un peu. Ah ouais? Mais non, mais parce qu'il est un peu dans les couleurs et tout, hein. Enfin, ouais, tu t'es piqué ton style. Putain, et je peux voir un peu ce que tu fais en trouvé, hein. Oh. Non, parce que tu peins, montre, t'as de la peinture avec toi. Et c'est pas mal, hein. Ouais, bien, c'est bien. J'ai pas sur tes sites. Ouais. Instagram, c'est Instagram. Ça, bah, tu c'est qui ça? C'est moi. Oh putain, c'est stylé ça par contre. Ouais, mais parce que j'ai fait sur photo. Ah, regardez-le, cet artiste a compris. Cet artiste a compris. Le bâtard. J'adore. C'est merde. Stylé, hein. Ah ouais, en couleur et tout. Je me filme en train de me faire saucer, j'aime bien. Merci, merci. Say hi to the vlog. Ciao. C'est beau.